comme résident provisoire pays. Dans matin signaté accord protocole entente nationale qui tape corps Joseph Lambert avec Ariel Henry te baillon conférence pour prendre distance avec accord Ariel Henry. Marie Denise et Claude fait connait pays en besoin accord qui pillage pour intégrer plus secteur si à terre il attaché à un exécutif à deux têtes pour gérer crise ça d'après Marie Denise et Claude qui fait connait entre temps il continue chercher consensus pour jeunes accord inclusif pour finalement redémarrer pays en côté Marie Denise Claude. Et nous-mêmes dans peine, je dis à tous les dirigeants peine, nous voulons faire contre la nation en connaître. Nous étions debout, peine là, li debout et li rete avec même préoccupation. Peine campé pour dire que nous là, nous à travail pour nous voir comment nous capables d'établir un exécutif bicéphale dans le pays, parce que c'est important. Nous pensons que dans sa situation paysan et là aujourd'hui, nous besoin d'un chef de l'exécutif qui sont président, nous besoin premier ministre. Mais pour nous arriver là, mesdames, messieurs, nous pensons que faut que nous gagnions un accord inclusif qui gagne en pile monde la donne, mais nous cherchons ça nous arriver un consensus suffisant. Bien sûr, qui ça nous est le consensus suffisant? C'est parce que nous ne pouvons pas gagner ça nous est l'unanimité, moi-même, comme sociologue, j'ai toujours peur d'unanimité, parce que des fois, on parle de l'unanimité, on parle de l'idée unique, et nous ne croyons pas que c'est bon pour la démocratie que nous choisissons. Donc, je dis un message que nous voulons faire avec toute population haïtienne. Hein. Depuis 9 juillet, les peines ont été proposées, solution qu'elles ont été proposées jusqu'à aujourd'hui. Les peines ont été debout, nous avons continué à travailler avec la population, nous avons continué à parler avec l'autre groupe. Pour nous être comment nous capables de river, joindre un accord inclusif que tout le monde la donne. Consensus ça, c'est mettre les familles haïtiennes en confiance pour nous résoudre des problèmes que nous ne sommes pas capables de continuer là-dedans, que ce soit au niveau sécurité. Parce que je dis, on n'a pas de niveau sécurité. Il y a des gros problèmes que nous avons dans le Grand Sud. Mais nous avons besoin d'un ensemble de monde. Il faut nous garder question ça ensemble. Il y a un petit groupe pas qu'à faire pour col. C'est pour ça que nous-mêmes, malgré que Pennant t'ait proposé en question, aujourd'hui, nous pensons que faut que nous continuions à parler avec l'autre. Faut que nous voyons comment nous sommes capables de mettre toute proposition ça ensemble pour trouver l'accord nécessaire pour nous. Capable de garder tout problème, ça, la sécurité. Combien de millions de monde, je dis, qui sont en chômage, qui n'ont pas qu'à manger. L'école va l'ouvrir. Est-ce que vous savez que dans pile parents qui ne connaissent pas comment ils vont ouvrir une petite à l'école? Et l'État n'est pas en mesure, même vous le dites qu'il a l'école à pourvrir. Parce que, justement, nous avons besoin de cet accord inclusif qui pour faire nous gagner un consensus suffisant pour nous adresser les différents problèmes que nous avons fait face comme nation. Donc, c'était important. Donnons tout dirigeant Peigno pour que nous fait adresser ça à la nation, pour nous dire nous, que nous sommes là, nous avons continué le travail, nous avons continué à chercher plus de consensus pour adresser les problèmes paysans et proposer vraiment un accord inclusif. Voilà, déclaration Marie-Denise Claude. N'a pas rappelé ancien député Serge Jean-Louis, ancien député à Aude Bien-Aimé, René Civil, militant politique, dirigeant parti politique tout, ancien sénateur Yuri Latortue, c'est quelqu'un parmi acteurs qui était présent dans le cadre de la conférence. N'a pas si allé, ancien sénateur Sorel Jacinthe, membre unité, lui-même y accroché, à Ariel Henry, à côté de présent samedi, qui était 11 septembre passé, dans la résidence officielle PM Nana Musso, côté le signant, unité signé accroché, et Ariel Henry, alors que Marie-Denise Claude lui-même puisse montrer le bon côté à quoi bicéphale là, on dit bien, ni pour accord et Joseph Lambert comme président en provisoire là. Ça veut dire, et il y a un monde qui t'a dit là, et bien, en pile acteur là, a joué plusieurs L4, hein, gain qui n'a Ariel et qui n'a Lambert, sauf façon pour pas d'ailleurs même, hein, pas d'ailleurs même dans sa cabane là. Oui, tout côté a joué plusieurs terrains là, en tout cas. Et il y a un monde qui m'a dit, est-ce que vous pensez à les L4 pep haïtien, maintenant tout ça qu'a fait là. N'a venu avec nous pour la presse ça, côté commission cap solution haïtienne en crise, non. Les mettons pour la presse de Yor, n'a quitté 14 septembre 2021. On allait rapidement, non. Commission pour chercher une solution haïtienne en crise, non. Vous voyez, un gros coup de chapeau pour 43 partis avec un regroupement politique qui était délégué dirigeant pour venir choisir entre eux trois représentants partis politiques. Yon en bio suivi accord 30 août 2021. Commission ensemble avec l'Assemblée a été posé quelques conditions pour choix Mamio et n'a pas gardé conditions ça qui ça yoye. Compétences professionnelles académiques, intégrité, disponibilité pour travail sans salaire,
esprit d'équipe, compréhension en géo, dans conjonction à cap pour avenir pays d'Haïti, monde qui pas mêlé dans aucun crime, parti politique qui ont été défini mécanisme pour faire choix, y ont composé trois groupes avec candidatis volontaires. Après un moment échange d'un respect une pour l'autre, rapporté chaque atelier procès-verbal atelier yo pour proclamer non moun qui désire yo. Yo retourné en assemblée pour mander si gen contestation sous non yo. C'était un bel exercice démocratique. Commission capable dans notre salle, mes amis. Ingénieur Hens, tout le monde connaît son nom, Néné. Et Mathurin, architecte Leslie Voltaire, ancien et député des Dunes, qui c'est Baudelaire Noël Saint. Ces trois représentants partis politiques s'y atteignent dans le bureau suivi à 4 août 2021 pour solution haïtienne dans la crise pays noir. Commission a continué de travailler, c'est bien ça, avec un secteur populaire, ensemble avec organisation, société civile qui parie présenté en la commission et qui signe un accord pour compléter constitution bio suivi. Commission a papa suspend remerciement comité d'appui qui pas mélanger GFOYO pour mettre main dans travail qui fait pour arriver réussi étape si là. N'a rappelé démarche ça inscrit dans récupération droit grand nous pour nous décider sur avenir pays nous n'a avancé. Vive Haïti. Mon gars plus monde qui signe bamba nous non coordonnatrice qui signe pour commission c'est Magali Como Denis. L'autre information dans le journal La Bataille là après à poursuivre dans le pouvoir pour le ministre révoqué commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Bedford Claude pour remplacer par Maître France Louis Juste ministre intérieur a été installé hier. Nous fait faire ça comme ministre Litz qui tel dans une bout de cérémonie qui déroulé dans le local parquet en présence chef cabinet PM nan, ingénieur Samuel Satune. Ministre intérieur a été profité pour explication sur l'égalité révocation autorité au dans l'état politique qui tel c'est premier ministre qui a nommé et puis révoqué fonctionnaire public yo les ministères fait c'est pas délégation pouvoir ministère intérieur confirmé ministère justice révoqué même si pour qu'on ait arrêté qui remplacer le en côté ministre intérieur Litz qui tel 5h45. Bon, on est au courant, mais le règlement de la fonction publique fait que c'est seul le premier ministre qui peut nommer et révoquer les fonctionnaires de la fonction publique. Quand un ministre nomme quelqu'un, ce n'est pas délégation de pouvoir du premier ministre. Donc, nous, quand on consulte l'autre monde, moi-même, pour autant que je sache, parce que j'ai près de 25 ans de travail dans l'État, c'est ça que je connais. Et c'est pour ça, ouais, en pile fois, au ministère de l'Éducation nationale, quand on a une équipe, nous entendons que mettez un bureau de l'été mal nommé, nous ne savons pas même arriver à toucher. Pas vrai? Parce que, il n'y a pas recevoir une délégation de pouvoir du premier ministre pour le décapant professeur ça. Donc c'est un bail qui est bien simple. Le premier ministre a mis à pied le commissaire du gouvernement. Il a choisi un substitut du commissaire du gouvernement pour faire assurer l'intérimat. Donc nous juste accompagner Lila pour nous constater que le prend charge et puis il a continué de travailler. Connaît-il le ministre de la Justice? Mais qu'on pense qu'il est démité sans fonction. Bon, au conseil des ministères, le premier ministre a annoncé qu'il était démité de ses fonctions. Le premier ministre a annoncé que le ministre de la Justice était démité de ses fonctions. Même j'ai nommé mon CGAI, nouveau ministre. Bon, moi-même, beaucoup m'ont arrêté qui pourrait mettre moins dit que bon ministre. Mais la seule chose, c'est qu'on annonce que lié. Ok, maintenant, à la minute qu'on annonce, pour qu'à. Et pour bah, qu'à conclure, bah, donc de toute façon, nous pas là pour ça je dis, hein? Donc nous n'apprenons pas là. Après, parce que nous disons, c'est bon confiance. Ça c'est déclaration ministre intercollectivité territoriale Litz Kitel qui était et alors procédé à installation nouveau commissaire gouvernement et Port-au-Prince là qui c'est maître France lui qui remplacé dans pour ça et maître Bedford Claude Jean Tedia nous dit pas même journée en Bedford Claude écrit responsable immigration pour m'adel interdit premier ministre Ariel Henry quitter pays et bon bam li rapidement pour nous qui ça écrit dans lettre ça là ça demandé avec
et directeur service immigration et émigration, République d'Haïti, ministère justice et sécurité publique, parquet tribunal premier instance porte de presse, et date qui était 14 septembre 2021. Monsieur Joseph Antoine Chili, directeur immigration et émigration, commissaire gouvernement, prêt tribunal premier instance porte de presse, non, les présents et compliments et le voyer Riquet Sabaou pour passer l'instruction nécessaire côté service concerné que au même ou à diriger à là pour que monsieur Ariel Henry, qui demeurait et domicilié à Port-au-Prince, identifié par numéro NIFLI, qui c'est 003-147-929-5, pour le pas quitter PIA, soit dans la mer, on ne dit pas bateau, et non. On dit pas train ou bien pas machine pour pas quitter pays, hein. Maritime par la mer pour pas quitter pays par la mer et tout pour pas quitter par voie aérienne comme si question et avion tout ça yo et hélicoptère ou bien jet ça pour pas quitter pays hein, même et pour le rester sur territoire national là puisque c'est une les présomptions graves d'assassinat qui blané sous dolé sous question assassinat c'est le président Jovenel Moïse dans et selon article 241 qui est code pénal haïtien hein, puisque il y a un soupçon sous ça et bien l'important que dans travail qui a fait fuck yo attendre des ministres bon premier ministre malheureusement bon, il était pas là pour le tendre encore mais il était mettait mes interdictions sur ça pour faire super capable tendre premier ministre et eh bien c'est mais ça c'était lettre ça et ben faut clôturer écrit avec directeur immigration et émigration Joseph Chili mais dans l'après-midi quelques heures après oui. Autant de mettre là il révoqué et ben, remplacé bien rapide oui c'est révoqué remplacé immédiatement et n'a pas gardé toujours là l'autre information j'en dis dans le même dossier ça et bien selon santé après tout gagné secrétaire général par le national là qui lui-même qui peut transférer et ça dans presse nationale la décision a été prête pour le révoquer ministre de la justice avec secrétaire général conseil ministériel et on a parlé de Renal Lubéris en attendant que Lionel Valbrun lui-même subit sa la pression clan PM nan, et Jovenel Issio selon information ça veut dire la grand pile bataille qu'a fait là en question bon jovenéliste un bon bah, mélanger mes amis j'aime nous remédier là mais dans tout ça là en plus on a posé question côté peuple haïtien dans tout ça j'ai entendu dit dans titre journal là compagnie téléphonique digicel il dit que il pas capable et dit mais ça qui t'ai gagné dans conversation mon yo reprend même capable dit et mais qui est-ce qui t'ai placé appel mais à qui est-ce maintenant t'as parlé bon on a venir avec ça en détail tout au talet comme ça mais on va c'est avec un dit différents autres acteurs dans société civile là ben syndicaliste dans secteur syndical dans sous situation pays à connait dernier temps ça yo 5h50. Secrétaire général Confédération Travailleurs et Travailleuses dans secteur privé IVL t'admet qui t'a intervenu sous un dossier ça quoi commissaire gouvernement Port-au-Prince pas qu'a intervenu dans dossier ça d'après analyse li souhaité pour le mieux fait sous dossier ça pressé yon façon pour tout monde qui gen soupçon sou yo capable éclairci. En côté IVL t'admet dans micro Blaise Peterson. Oui, ben, yon quoi que sont qui yon a yé la NDC avec beaucoup qui s'est attaqué à l'indexité. Donc là, tout ça, c'est des problèmes pour nous essayer d'éviter, pour nous essayer de garder comment on peut résoudre. Et moi-même, je crois que j'ai des suites en avant qui fait, parce que le dossier avait un bon cabinet de fonction. Le dossier avait un bon cabinet de fonction, toute information qui nous autorise à l'indexité, que ce soit pour le gouvernement, il n'a pas gagné le pouvoir encore pour lui continuer à faire tant de monde. Donc, monde pour tant de monde, nous faire information gagnée, c'est transmettre pour transmettre au bail juge de justice. Vous dites à l'âme de couvrir l'indice. Et dit ça à travers notre équivitoire, travailler notre équivitoire supplétif pour lui permettre que l'indice, donc l'indice soit découvert. Donc, Mathieu, attention, pour aller sous PISA, PISA cabane de solution. Donc, c'est ça que ça nous dit. Là, il y a des interventions qui sont publiques, donc, quoi que ce soit, des interventions précipitées. Qui par exemple, parce que ça fait, nous-mêmes, nous ne pas un peu dans la dynamique à nos côtés, tout le monde est sous son. Donc, il faut que la situation éclaircie. C'est ça qu'on dit, que le juge d'instruction, hein, qu'il allait vite pour que nous qui sommes sous son, qui y a des gens qui sont sous son, qui sont financés à quoi, ou bien t'as coupé les mains, ou bien t'as sous son, puisqu'il t'a échangé avec un autre fugitif, nous-mêmes que la police a recherché. Donc, qu'on y a, faut-il dire que. Le suspect, il faut dire que le juge soit allé vite, mais ce n'est pas pour ça, c'est pas que l'œuvre du commissaire gouvernement, puisque le dossier est déjà dans le cabinet d'instruction. Donc, nous comptons que tout ça, il faut qu'il y ait une difficulté qui vous permette de nous agir avec sérénité sur la question. Donc, en plus, il y a des moyens qui disent, lorsque c'est un chef du gouvernement, il y a une procédure pour qu'elle aille en justice.
Toujours dans le même dossier ça, gagné un juge d'instruction qui a instruit dossier ça là. On a dit bien qu'il s'est Gary Aurélien, mais qui a mené dossier sur assassinat, c'est président Jovenel Moïse Dantan de Ayamadian, ancien responsable Katim nan, qui c'est Paul Eddy Amazon. Une audition qui dirait des états, deux parmi avocats qui ont été refusés partagés avec un journaliste. Ça qui était dit dans le cadre audition, mais croyait que client a partagé en pile l'information, bah, juge Gary Aurélien. Nous invitons de côté une après l'autre, maître Stanley Lafortune avec maître Bédi Dafinis pour plus de détails. Donc, je ne sais pas si je regarde le dossier. Non, mais nous connaissons le dossier. Ça qui est important, nous connaissons. Je suis tenu au secret d'instruction. C'est le principe cardinal qui caractérise l'instruction. Donc, je ne saurais dire rien de plus. D'accord? Est-ce que, comment ça a été l'audition? C'était dans quelle ambiance? Non, mais l'audition, tout fait, c'était cordial, correct, tout ça. Donc, est-ce que le client a gagné pour retourner devant le magistrat? Donc, c'est le magistrat qui a décidé tout ça. C'est pas moi. Donc, premier interrogatoire fait, on a suivi jusqu'à ce que si on a fait d'autres interrogatoires, si on a brûlé encore, on a toujours là pour assister. Mais je ne vais pas dire davantage, puisqu'on connaît que le secret d'instruction caractérise cette phase du dossier. Mais pas. Par... Cordial et correct, nous disons. Mais par rapport à quel charge ou qu'un B contre client, qui sont cadres? Je ne peux rien dire. Le secret d'instruction. Comment on porte un sort? Parce que, excuse-moi un moment, comme professionnel, comme avocat, bon, même si je ne suis pas jeune, je suis un avocat expérimenté, parce que je suis jeune dans la profession, et à chaque phase, il y a un comportement pour moi comme avocat. Si par exemple nous devons en phase de jugement, nous avons pas de comportement, nous avons parlé, etc., nous avons pris beaucoup, nous avons dit d'autres bagailles. Mais en phase sanitaire, nous n'avons rien encore. Comme nous assistons, nous avons trois avocats qui ont assisté l'OCA, nous avons la tour, en principe, nous avons passé suivant les règles de l'art, et qu'on n'y a pas dit rien davantage, puisque nous connaissons secret, la loi de l'Omerta. Je ne sais pas encore, c'est au juge de décider. Donc, maître Stanley Lafortune a déjà précisé, vu que le secret de l'instruction, parce que l'instruction est secrète, non publique et non contradictoire, et client nous, en cas d'instruction que le juge a fait dans le cadre de dossier assassinat président, lui répondre à toute question qui juge utile et nécessaire pour le juge là. À ce moment-là, nous pas gagné pour nous faire trop de commentaires dans le cadre de dossier à vu le caractère secret de l'instruction. Nous aurons à produire une demande très prochainement et le juge là, pour ça pour le faire, les demandes là, soumettre à lui-même. C'est pas... Il est trop tôt, attendez, parce que le juge là a gagné plusieurs monde pour le travailler dans le cadre de dossier ça. Ça, c'est client noir pour les Amazon qui est responsable Katim. Juge là, dans le cadre de responsabilité, le juge là a jugé important pour le temps d'elle et lui répondre à toutes questions convenables et dans le cadre d'instruction. Mais par rapport à l'accusation qui a pesé sur le client, on parle avec lui, ça dit. Bon, et moi-même, je suis étonné parce que moi, dans le cadre de dossier, je reproche pour les Amazon de tentative d'assassinat sur Madame Président et complicité d'assassinat. Que nous-mêmes nous nier catégoriquement. Et au cours de l'instruction que Jules quand ça l'a fait, et là pendant le danser. Et nous c'est ce qu'il faut. Oui, mais c'est pas pour le moment. Et très prochainement, après inviter encore. Okay. Merci. 5h55. N'a toujours été sous même dossier sa divers militants parti haïtien tête calée planté piquet yo ailleurs devant ministère justice et sécurité publique dans l'idée pour mander responsable dans la justice prend toute disposition pour permettre ancien président Jovenel Moïse joindre justice comme ça doit. Militants ont encouragé ministère justice à prendre responsabilité dans dossier ça un côté qui j'en saté dans micro Alix Gauthier. Nous pas que pays responsable, nous pas que quelqu'un côté pour nous aller, nous pas que passeport mon ça on pas goumer. Si le président Jovenel là, il y a un pays en réserve, madame il va à Haïti, petit va à Haïti, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter notre côté pour nous aller, qu'est Haïti, nous ne pouvons pas quitter notre Haïti, nous ne pouvons pas quitter notre assassiné président Jovenel, il a assassiné Vichol, il a assassiné, il a détruit la ville. Lâchement lâche. Et puis je vous dis, c'est même Mounsa avec Ariel Henry qui a fait prix sous dos nous. Il a fait prix président Jovenel déjà. Nous pas accepter pour faire prix nous avant. Parce que c'est nous. Parce que c'est haïtien. Nous ne pouvons pas y réserver. Nous disons en bas. Nous disons Ariel Henry. Nous venons
rendre nous rapport, c'est à dire avec Badjo. Avant le président Jovenel Moïse, et après le président Jovenel Moïse, c'est à dire avec le président Assad avec Badjo. Parce que le président Jovenel dit, il va rien des boss, il y a un seul boss qui est, c'est pas ici. Je ne veux pas dire, tout le monde va justice pour le président Jovenel. Nous dans la rue, nous dans la rue, jusqu'au bout, pour nous faire justice pour le président Jovenel. Je ne veux pas dire, nous demandons justice. Nous demandons justice pour le président Jovenel Moïse, mais spécialement, nous demandons justice pour le Haïtien. Parce que pour ça, nous demandons justice pour le Haïtien, parce que le président Jovenel va travailler pour Tetli, il va travailler pour la nation. Parce que si le président Jovenel Moïse a travaillé pour Tetli, le groupe Nexogénère, il a devenu au fil de 2 millions de dollars. Il a devenu au fil de 2 millions de dollars le mois pour le quitter et contrat sa nom. Le président Jovenel Moïse, il a signé. Mais il n'a pas signé, c'est parce qu'il a une bonne vision pour le peuple. Il a laissé le peuple dans la salle de guerre.